ben un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Mon cœur angoissé sous le sévère de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé, de la boue profonde j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'emmena au jour doré. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il m'a un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher, mes façons affermies j'y demeurerai. Aucun risque de tomber tant que j'y reste, jusqu'au couronnement je tiendrai par sa grâce. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il m'a un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange, dont je chanterai les douces notes nuit et jour. Mon cœur débordant, je suis libre, heureux, je loue mon Rédempteur qui m'a secouru. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il m'a un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi, le louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai le salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole croix Dieu. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il m'a un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Acclamons pour lui. Alléluia. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il m'a un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange, dont je chanterai les douces notes nuit et jour. Mon cœur débordant, je suis libre, heureux, je loue mon Rédempteur qui m'a secouru. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il m'a un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il m'a un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Acclamons pour lui une fois encore. Je veux entendre mon église dire gloire. Amen. N'est-ce pas que ça fait que vous vous sentez bien en louant et glorifiant le Seigneur? Gloire au Seigneur. Sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il m'a un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Ancré dans ce roc. Oui. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc.
Elohim, un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher, mais pas sans t'affermi, j'y demeurerai. Aucun risque tombe, et tant que j'y reste, jusqu'au couronnement, je tiendrai par sa grâce. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il m'a un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Merci au Seigneur pour ce rocher. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire. Amen. J'espère que vous êtes dans une grande expectative. Vous êtes excité et prêt à ce que quelque chose se produise. Qui est prêt à ce que quelque chose se produise? Oh, ça va se produire. Ça doit se produire là. C'est simplement ça. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Comme c'est merveilleux quand l'épouse se réunit, quelque chose est sur le point d'arriver. Et il a commencé toute cette réunion il y a des milliers d'années. Et il a planifié, prédestiné. Il savait que nous allions être ici. Il a d'abord mis certaines choses à l'ordre et maintenant cela s'harmonise tous ensemble. Nous voici assis ensemble dans les lieux célestes, l'épouse de Jésus-Christ. Oh, gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici. Combien de visiteurs avons-nous? Plusieurs visiteurs aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous et bienvenue ici et tous ceux qui sont reliés par la liaison téléphonique autour du monde, qui sont à l'écoute aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. C'est une partie de l'épouse tout autour du monde. Vous êtes tous ce que je crois être la semence royale, parole parlée originelle de Dieu. Oh! Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est parce que vous restez avec la parole originelle. Qui nous croyons est ce message. Ah, c'est ce qui nous réunit ensemble ici. Oh, quel jour extraordinaire. Avez-vous aimé entendre dimanche dernier la parole parlée, la semence originelle? Oh là là! Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, nous pourrions communier là-dessus toute la journée. Mais ce qui est si grand, c'est qu'il y en a plus à venir. Je parlais à Frère Samuel de cela. Oh là là, si tu veux lire des citations tirées de cela, je dirais, autant le réécouter une fois de plus. Je veux dire, 6 heures, réalisez-vous tout ce que nous avons manqué. Je sais combien il m'a donné. Je sais combien il vous a donné. C'était totalement une expérience merveilleuse du Seigneur. Je crois que Dieu a prononcé ce message par son prophète et l'a enregistré, sachant que nous l'écouterions dans nos églises de bande à la maison précisément ce jour-là. Il le savait, faisant que sa parole s'accomplisse en nous. S'il le savait, il a prononcé la prédestinée et a dit de s'asseoir dans nos maisons et d'écouter la bande. C'est ce que nous avons fait. Je ne sais pas si cela a été fait dans les églises autour du monde. Je ne pense pas. Mais nous l'avons fait dimanche dernier. Ainsi, c'est cette écriture, c'est cette parole qui s'accomplit et nous en sommes participants. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur.
so exciting being God's program. C'est si excitant de faire partie du programme de Dieu. Ce que Dieu veut, ce qu'il fait, de voir cette parole vivante vivre dans l'épouse vivante, manifester devant nos propres yeux, d'en faire partie. Si Jésus était ici, vous feriez mieux de le croire. Je serais disciple de Jésus. Je suis un disciple de Jésus-Christ à travers son messager. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas les églises des bandes à la maison. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais c'est sûr qu'ils ne comprennent pas. Mais nous savons parce que cela a changé nos vies et la vie de nos familles. Il y a eu un changement qui s'est produit en nous. Et pas seulement ça, mais réalisez-vous que c'est Dieu qui forme son épouse. Il nous forme. Dieu ne fait rien qui arrive accidentellement. Il le fait avec précision. Et si vous êtes membre de l'épouse de Jésus-Christ, un jour, vous aurez vous aussi l'église des bandes à la maison. Oh, c'est merveilleux! Woo! Gloire au nom du Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur pour vous asseoir. Alors, si c'est le cas, combien importants sont nos services des bandes à la maison? Écoutons ce qu'il va dire et ce qui va arriver. Je sais que vous l'avez entendu la semaine dernière. J'ai eu à soutirer quelques pépites de là. Gloire au Seigneur. Quel message de savoir que je suis une partie de cette semence originelle-là. Je n'ai pas été fécondé par rien d'autre que cette parole. Et j'ai été fécondé par cela. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Asseyez-vous. Or, je crois de tout mon cœur que c'est comme ça que ça va finir. Il y aura un genre d'union, un boycottage. Tous les endroits comme celui-ci seront fermés définitivement. C'est du tabernacle qu'il parle. Et vous ne pourrez pas prêcher à moins d'avoir obtenu une autorisation ou un permis délivré par cette fédération des églises, vous donnant le droit de faire une réunion. Il a dit que c'est ce qui va se passer. Ils vont donc fermer l'église. Ils vont fermer toutes les églises qui ne se joindront pas à cette fédération des églises. Comme il nous l'a déjà dit, ce conseil œcuménique, c'est déjà à l'œuvre. C'est à l'œuvre il y a très longtemps. Mais Dieu a retenu cela. Il n'a pas encore laissé cela évoluer. Nous allons parler de cela. Gloire au nom du Seigneur. L'épouse n'aura donc plus la possibilité de tenir des réunions à la manière traditionnelle des églises dans des bâtiments et des endroits de ce genre. Quant à nous, nous continuerons à voir l'église. Gloire au Seigneur. Oui. Alléluia. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Pouvez vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. Nous serons toujours unis ensemble, unis partout dans le monde, autour de cette parole. Ainsi, l'épouse, si eux ne peuvent pas, nous le pourrons. Nous le saurons et nous ne manquerons aucune réunion. Ça ne va pas du tout nous affecter. Eh bien, est-ce que nous languissons d'être ensemble? Absolument, nous languissons d'être ensemble. Mais il n'y a qu'une chose qui nous rassemble, cette parole. Et je crois que lorsque ça se produira, la venue du Seigneur ne tardera pas à arriver. Gloire au nom du Seigneur. Alors, que ça vienne. Ok. Ouais. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'ai entendu l'un des candidats à la présidence. On lui a posé la question au sujet des LGBT. Peu importe ce qu'ils sont, on lui a posé la question au sujet de fermer les églises et tout. Je ne sais pas si vous avez entendu ça ou pas. C'est juste comme, oh, quelle honte! Quand il va être élu, quelle sera la première loi qu'il mettra en place? On lui a demandé s'il ne croit pas aux LGBT et toutes ces choses. Tous les organismes à but non lucratif, à savoir les organisations et les églises, seront fermés s'il n'y croit pas. Il a dit, ça sera l'une de mes premières lois à mettre en place une fois président. J'ai dit, élisez ce monsieur! «
Amen. Nous ne voulons pas le chasser, mais élisez-le. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez ce que je vais dire en disant cela. Car c'est ce qui va amener la venue du Seigneur et ça va se produire si rapidement. Et ils pensent tous ainsi. Mais Dieu a un temps, il a un programme. Et c'est ce qu'il nous a dit dans la parole parlée et la semence originelle. Dieu avait un programme. Mais tout le monde devient simplement soucieux à ce sujet. Souvenez-vous, très bientôt, il y aura un si grand rassemblement des dénominations que ce sera renversant. Et elles formeront ensemble cette fédération des églises. Et alors, ce genre d'église-ci sera forcé de cesser ses activités. Du moins, c'est ce qu'ils croiront. Oui! Nous aurons toujours l'église. Gloire au Seigneur! Gloire au nom du Seigneur. Gloire. Amen. Amen. Du moins, c'est ce qu'ils croiront. Il a vu et savait ce qui allait arriver. Gloire au nom du Seigneur. Quand ceci va-t-il se produire? Très, très bientôt. Comment le sais-tu, frère Joseph? Dimanche dernier, il nous a dit ce qui va arriver. Il nous a dit quand cela va se produire. L'avez-vous saisi? Personne ne va lever la main? Voyons. Il dit, quand l'esprit sera déversé et quand mouvement s'amorcera parmi les gens, l'église de Dieu sera chassée. L'esprit est déversé et il y a un mouvement parmi les gens. C'est en route. Ça se produit en ce moment même. Vous en êtes témoin en ce moment même. C'est ce dont il parlait. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'aime ça. Quand l'esprit est déversé et qu'un mouvement s'amorcera parmi les gens. Nous vivons dans ce temps précis. L'esprit est maintenant en train de se déverser et nous voyons le mouvement du Saint-Esprit dans les pouces de Jésus-Christ. Reconnaissons exactement qui nous sommes et le temps dans lequel nous vivons. Il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci. Et ce n'était pas pour cette époque là-bas. La même chose, le temps. Frère Branham pensait alors, le voici, il ne voyait rien qui l'empêchait d'arriver. Mais Dieu a réservé un temps et avait un programme. Nous remercions Dieu pour cela. Il est donc important que nous ayons les églises des bandes à la maison. Quand le reste des églises qui ne savent quoi faire, quant à nous, nous le saurons. Parce que nous aurons été en formation. Et quand ça va arriver, nous ne perdons pas notre église ni notre pasteur. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Le prophète lui-même nous a dit exactement comment et ce que nous croyons. Vous savez, c'est si merveilleux, nous faisons des choses comme pour Lifeline, où nous mettons un article et faisons quelque chose pour essayer de vous encourager ou quelque chose du genre. Nous faisons, les frères font un travail si merveilleux, ils le font vraiment. C'est une bénédiction. Désolé, asseyez-vous. Désolé, je ne veux pas que vous me voyez trembler comme ça. Je tremble quand je me tiens ici devant vous. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus grand. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Mais je tremble quand je me tiens ici devant vous. Vous êtes l'acquisition de ce sang. J'étais mal à l'aise cette semaine. J'ai dit, Seigneur, mais je sais une chose. Il se peut que ce ne soit pas la manière que je le dis ou je peux l'articuler, mais je sais ce que je fais en vous pointant vers ce message est la vérité.
Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'ils font quelque chose, quand ils ajoutent une citation, qu'ils mettent Frère Branham là, cela devient instantanément la meilleure chose qu'ils aient jamais faite. Et quand nous avons besoin de quelque chose, c'est mieux quand le prophète le dit. Alors nous pouvons citer exactement ses paroles. J'aime ceci. C'est pour ça que je crois à ce message. Il semble que c'est déjà fait, juste là. C'est parce qu'il sort de la parole de Dieu. Ça sonne toujours comme nous. Et tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, je n'y crois pas. Écoutez ce qu'il dit. Il se pourrait que ce soit juste. Ça se pourrait. Mais quand même, je m'en tiendrai strictement à ce que Dieu a dit. Et alors, je sais que c'est en ordre. C'est ce que nous faisons. Il se pourrait que ce soit vrai ce que quelqu'un d'autre dit, ce que quelqu'un d'autre fait, mais nous allons rester avec ce message, avec la parole, avec les bons, et alors nous saurons que c'est en ordre. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est la seule façon pour nous de savoir que nous sommes absolument, indéniablement certains. Dieu a parlé de bouche à oreille à son prophète. Les pensées même de Dieu ont été enregistrées et mises sur bande pour que nous les écoutions. Pensez-y. Les pensées même de Dieu. La semaine dernière, il nous a dit que ces prophètes-là, ils restaient dans la présence du Seigneur tout le temps avec leur plume à la main, prêts à écrire et de le faire. Dieu, ce temps-ci, à travers ce messager, ce prophète restait en harmonie et c'est sorti de sa bouche et ça a été enregistré. Le prophète de Dieu l'a prononcé et c'était l'interprétation de la parole même de Dieu. Interprétant la parole même de Dieu. La Bible. Il interprétait la Bible. Comme frère G le disait, êtes-vous avec moi? Ok. Croyez-vous cela? Voyons voir ce qu'il a à dire à ce sujet. Voir s'il confirme ça. Et maintenant, mes frères, maintenant, quand je dis ça, je ne m'adresse pas seulement au petit groupe qui est ici ce matin, mais je m'adresse aux endroits où ces bandes seront envoyées partout dans le monde. Il s'adresse donc à vous partout dans le monde, vous qui êtes assis dans ce tabernacle et tout le monde autour du monde. Soyez attentifs, je me prépare à dire quelque chose ici. Je voudrais que vous me supportiez patiemment pendant quelques instants et que vous réfléchissiez à ça, qu'il faut que quelque part on en vienne à un jugement. Dieu a un endroit pour un jugement. Et puis il y a ceux qui disent, c'est la version de la Bible du roi Jacques, ou telle autre version. Et maintenant, ils font une version en langue courante ou quelque chose comme ça. Ainsi, il y a cette Bible et cette autre Bible et une autre Bible et cette Bible. Je crois que si Dieu est le Dieu souverain, qu'il est l'Éternel, c'est lui qui doit y veiller. C'est lui que ça regarde. Si je veux aller au ciel chez lui, c'est à lui de me fournir un endroit où je saurai ce qu'il faut faire. Là où on peut poser sa main et dire... Ce qu'il faut, c'est ceci. C'est ce message. C'est ceci. Ce message. Gloire au nom du Seigneur. Dieu parlant au travers des lèvres humaines, interprétant sa parole. Amen. 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 Il n'y a rien d'autre. Autrement dit, nous disons, c'est la Bible, c'est notre absolu. Mais vous manquez tout le message. Et que le prophète de Dieu est l'interprète divin de la parole de Dieu. Il a promis qu'il viendrait dans Jean 16. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais je vais revenir. Ce sera moi dans la chair humaine, vous révélant et vous interprétant à vous, l'épouse de Jésus-Christ, ma parole, la Bible. Il est donc son propre interprète et cela n'a besoin d'aucune interprétation. Ainsi, c'est une Bible vivante que nous pouvons écouter.
Gloire au nom du Seigneur. Amen. Non, 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 non. Vous dites une citation, on ne peut pas faire autrement que dire gloire à Dieu. Maintenant, nous avons eu la pluie de l'enseignement. N'est-ce pas merveilleux la manière dont Frère Branham met cela ensemble? Quand quelqu'un a dit, on a déjà eu la pluie. Juste une minute, je vais y arriver. Le prophète avait le contrôle, la parole était en train d'être apportée. Or, nous attendons maintenant la pluie de la moisson. 1962. Vous savez, la première pluie, c'est quand vous plantez la semence. C'est elle qui fait que votre récolte commence à croître. Ensuite, juste avant qu'elle arrive à maturité, il y a une autre récolte. C'est ce qu'on appelle la pluie de la moisson. Nous savons quand celle-là arrive. Les pluies du printemps et ensuite les pluies qu'il y a vers le mois de juin, elles produisent votre récolte. Maintenant, la pluie, nous avons vu que c'était l'esprit. Bon, après la pluie, il a dit, la semence est mise en terre. La première pluie, il nous a dit qu'elle était mise en terre. Ensuite, vient cette pluie de la moisson, en juin. C'est la pluie de la moisson et non le temps de la moisson. Mais maintenant, c'est le temps de la moisson. C'est maintenant tard en septembre, octobre. Nous nous préparons pour la venue de la moissonneuse. Mais il a dit qu'il avait un moyen, il avait un programme pour que nous restions dans la présence du soleil et mûrissant. La première pluie est venue quand elle fut plantée. Alors elle est venue et a déversé tous ces messages qui sont apparus. Mais maintenant, la semence, il a dit, une autre semence vient à maturité. L'épouse semence vient à maturité, assise en présence du soleil, mûrissant. Et ça ne peut être fait que d'une seule manière, par l'écoute de ce message. Je prends mon temps à cause des bandes pour donner aux gens le temps d'étudier. Amen. Je ne veux pas me presser du tout. Je veux vraiment prendre mon temps. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir d'ici. Mais je veux que ceci soit transmis aux gens. En effet, même si un jour Dieu me retirait de ce monde, si je ne vis pas assez longtemps pour voir sa venue, le message, lui, continuera toujours à vivre. Tenez-vous-en à la parole. C'est ce que nous faisons. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il nous a dit dimanche que depuis le commencement, Satan a une façon différente. Il a un programme différent de celui de Dieu. Il dit que c'était une manière différente. Et Ève a ouvert, il dit, le sein de sa pensée. C'est là que ça s'est passé, dans le sein de sa pensée. Et elle a été fécondée dans sa pensée de cette parole. Et il dit, par quoi? Par le doute. Par le raisonnement et le programme du diable. Ça s'est installé dans sa pensée. Elle ne pouvait pas attendre le grand programme de Dieu. Il fallait qu'elle fasse quelque chose elle-même. Est-ce bien ce qu'il a dit? Il fallait qu'elle fasse quelque chose elle-même. Tout était là, elle y était. Jésus était censé venir et elle a raisonné la chose. Certainement pas, fait ceci. Elle s'est mise à douter et tout. Alors le temps qu'Adam vienne vers elle, elle était déjà enceinte de Satan. Elle avait un meilleur programme. Satan avait un programme différent. Il avait une idée différente. Elle devait faire quelque chose. Puis après, Adam est venu, Abraham et Sarah. Or, Sarah, il a dit qu'elle représentait l'Église. Elle a commencé à raisonner. Elle a commencé à raisonner dans sa pensée. Il faut que ça arrive. Mais je dois faire quelque chose car ça ne s'est pas produit. J'ai attendu, mais cela ne s'est pas produit. Il faut que je le fasse s'accomplir. Je dois faire en sorte que ça s'accomplisse. C'est juste un peu trop phénoménal pour moi. Il faut que je fasse quelque chose. Elle ne pouvait pas attendre que le Fils promis vienne de la manière dont Dieu avait dit qu'il viendrait. Elle voulait le faire à sa façon. Et sa façon était par Agar. Elle a dit, viens par cette voie. Elle était censée attendre, mais elle ne l'a pas fait. Et il a dit, qu'est-ce que cela a produit? Un homme sauvage. Il dit que cela a produit cet homme sauvage qui ne peut pas être maîtrisé. C'est la même chose aujourd'hui. Il y en a qui croient qu'ils doivent faire quelque chose pour amener l'épouse promise à la perfection. Et ils ont raison. Ils ont réellement quelque chose à faire. Pointez le pouce vers les bandes et appuyez sur play. C'est ce qu'ils doivent faire.
gloire au Seigneur. Amen. Pour vous asseoir. C'est le but même du ministère. C'est de ramener à la semence originelle. La seule chose qui pourra produire la parole originelle, c'est la parole originelle qui est sur les bandes. C'est la seule chose qui peut produire cette épouse, car une parole, chacune des paroles même, nous croyons qu'elle est la parole de Dieu. Dieu interprétant sa parole, qui nous croyons être ainsi dit le Seigneur. Mais à l'ouverture de cette sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître, être à nouveau manifestée. C'est puissant. Et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle le fut quand elle était ici sur terre. Manifester de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle fit lorsqu'elle était ici sur terre. Ce qui est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, manifester de la même manière, Dieu parlant à travers la chair humaine, et nous l'avons sur les bandes. Et ça ne peut pas être mieux que ça. Ainsi, Dieu, dans sa pensée infinie, savait qu'il allait revenir pour parler comme il l'avait dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne comprenez pas. Il a dit, mais je viendrai, et c'est écrit, mais je viendrai parler par un prophète et vous le révéler. Ce que cela veut dire. Il pouvait prendre dans cette Bible-ci, cette Bible-là, cette Bible-ci, cette Bible-là, et dire, même avec la version du roi Jacques, la bonne traduction pour ceci, voici la meilleure signification de cela. Amen! C'est ça, interpréter la parole. Amen! Gloire au nom du Seigneur, pour vous asseoir. En écoutant cela, ça produira une épouse vierge. Vierge, je n'écoute rien d'autre, c'est tout, c'est ça. Il dit, elle n'est pas touchée par les dénominations, pas touchée par des mains d'hommes. Nous devenons donc cette épouse parole vierge manifestée. Nous sommes des aigles. Il a dit, nous sommes des aigles, vivant à l'âge de l'aigle. Et nous ne pouvons pas faire de compromis sur aucune parole. C'est notre position, c'est ce qu'il a dit dans la parole parlée, la semence originelle. Cette épouse ne peut pas faire de compromis, peu importe comment ça a l'air, comment ça apparaît, ce que vous voulez faire. Nous pouvons seulement manger cette manne fraîche, car nous croyons que c'est ce que c'est, de la manne fraîche, une révélation fraîche qui nous vient. D'autres l'obtiennent de manière différente. Ils ont une manière différente de l'obtenir, et c'est parfaitement en ordre. C'est leur conduite, c'est ce qu'ils ressentent. Mais pour nous, ce message est un menu complet en sept plats. Les sept âges de l'Église, les sept sceaux, la semence du serpent, la divinité, le signe, l'absolu. Chaque message nous dit que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Ça n'a pas besoin d'interprétation ni rien d'autre. On ne peut rien faire d'autre. Ce n'est pas dans notre ADN de faire autre chose. Car c'est la nourriture de l'épouse et nous vivons au temps de l'épouse. Terminé ce message. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. N'êtes-vous pas reconnaissant pour cela ce matin? Oh, gloire au Seigneur, reste debout. C'est si merveilleux que nous puissions nous unir pour écouter cette parole. Pas besoin de nous tracasser, pas besoin de questionner. C'est sûr que c'est la parole ointe. C'est sûr que je veux répéter une citation, mais il n'y a rien de plus grand que de nous asseoir sous l'onction de ce message prononcé par le Fils de l'homme lui-même qui nous parle. Ce n'est pas, c'est un Fils de l'homme, pas le Fils de l'homme. C'est la colonne de feu au-dessus de lui qu'il est. Et c'est pour confirmer celui qui est en dessous. Amen. Amen. Seul ce message peut faire cela, seulement en écoutant ce message. Et je suis si reconnaissant d'avoir la révélation de cela. À nouveau, frère Branham dit,
Aimez-vous les uns les autres. Ne dites rien contre les autres. Ils doivent agir comme ils se sentent conduits d'agir. Parfois, j'entends ceci. Que Dieu soit béni. Si vous n'écoutez pas le Branham Tabernacle, le streaming, vous ne pouvez pas être l'épouse. Nonsense. Ai-je déjà dit ça? Croyez-vous que je crois cela? Je ne crois pas cela. Mais je vous ai dit, c'est un paradoxe. Est-ce que je souhaite que tout le monde écoute le streaming? Vous feriez mieux de croire que oui. Pas pour m'écouter moi. Pour écouter cette parole, pour être unis autour de cette parole. Mais ils doivent faire ce qu'ils se sentent conduits par le Seigneur à faire. Le Seigneur les conduit. Le Seigneur est celui qui décide. C'est juste pour nous. J'ai aimé comment Frère Branham a dit l'autre jour, ceci est pour mon église, nous sommes son église. Et la question est, est-ce que je peux écouter les bandes et être l'épouse? Je peux. Et je les écoute. Et en ceci, je veux me détendre, m'asseoir et écouter cela. Pour moi, c'est la manne fraîche dont il parle aujourd'hui. Si je ne peux pas la trouver ici, je vais monter un peu plus haut. Je vais voler un peu plus haut, plus haut, plus haut. Je dois avoir cette parole. Cette parole est ce qui nourrit mon âme. J'aime entendre la voix de Dieu prononcée par Dieu lui-même. Et je crois que ça l'est, la voix de Dieu enregistrée. Ainsi, la Bible est leur absolu, c'est le mien aussi. Et le prophète me dit ce qu'elle dit. Je crois chaque parole. Il vous l'a interprété et me dit. Je ne saurais pas ce que cette Bible, ci ou cette autre, veut dire. On m'a posé cette question. Eh bien, monsieur, quelle Bible allez-vous croire? Est-ce cette Bible, ci ou cette Bible, ci ou cette Bible, ci? Laquelle devons-nous croire? Nous croyons que c'est la version de la Bible du roi Jacques qui est la plus proche parce que c'est ce que le prophète a dit. C'est suffisant pour moi. Ainsi, c'est ce que nous croyons. Mais ils ont cette question, nous ne savons pas. Frère Branham a dit, il a lu ici dans le dialogue emphatique ici et il a dit, le dialogue emphatique le dit de cette façon et la version roi Jacques de cette façon. Mais voici la bonne façon de le dire. Et si vous prenez ce mot, il signifie cela. Oh, gloire à Dieu. Je n'ai pas à m'inquiéter. J'appuie juste sur play et je loue le Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous dites, Frère Branham, nous ne devrions pas lire la Bible. Il a dit, un chrétien lit sa Bible chaque jour. Elle est ointe. J'écoute et Dieu la vivifie pour nous. Alors vous le voyez et dites, oh là là, ça se relie au message, ça se relie juste ici, dans le message. Tout se relie au message parce que c'est entièrement le message. Et ça ne pointe qu'à une seule chose. Au commencement, c'était l'alpha. Puis ça pointe à nous, l'oméga. Le commencement et la fin. Nous sommes la fin. Nous sommes cette semence originelle qui a passé au travers. C'est même exprimé ce soir, il a fait dans la parole parler. Gloire au nom du Seigneur. Désolé. Quand on commence à parler de la parole, il n'y a plus de fin, car c'est la vie pour nous. Mais il a même dit que Marie, elle l'a accepté. Selon ta parole, Seigneur, je vais le faire. Il dit, mais elle n'était qu'une porteuse. Mais la parole est sortie. Nous sommes fécondés par cette parole et ça ne peut que produire. Il a dit, quoi que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Vous plantez des choux, vous récolterez des choux. Si vous plantez des oignons, vous allez avoir des oignons. Il a planté l'épouse lui-même qui revient. C'est qui nous sommes. L'épouse se réveille. Nous avons toujours su qui nous étions, mais maintenant c'est très clair. Il nous en révèle davantage pour comprendre qui nous sommes. Nous n'avons plus de doute. Oh, gloire au Seigneur. Je sais que nous n'avons plus de doute. Nous n'avons plus de peur. Nous n'avons plus de maladie. Croyez-vous cela? Oh, absolument. Jéhovah lui-même a prié pour moi et a dit, il a été chassé. Ainsi, c'est parti. C'est sa parole. Si vous le doutez, c'est votre affaire, pas moi. Je crois chaque parole. Ainsi, je n'ai pas de doute. Satan frappe, 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 mais il ne fait que perdre son souffle. Et je suis si heureux d'être identifié avec l'épouse de Jésus-Christ. Quelle opportunité nous avons. J'entends. Lame of all days, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with me.
that. Redemptor béni. What is he? The Lord divine. Praise the Lord. Let's just worship him and sing it again. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We love you, Lord. Name above all. Hallelujah. Merciful Savior, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu avec nous, Rédempteur béni, parole vive.
Restons debout alors que nous nous préparons à écouter la nourriture de l'épouse, la manne du Seigneur Jésus-Christ qui a été emmagasinée afin que l'épouse puisse l'écouter en ce jour. Nous sommes assis dans la présence du Fils de l'homme qui prononce la parole, qui mûrit l'épouse de Jésus-Christ. Quel privilège c'est pour nous d'inviter encore à cette chaire Frère Branham, notre pasteur. Que Dieu vous bénisse, Frère Branham.